Wesh les potos, j'organise un Master Kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le Master Kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map, le DLC de Le Trône Sombre, voilà. Alors ce tuto consiste à vous présenter comment débloquer le pack-a-punch, donc c'est très simple, première chose qu'il vous faudra faire c'est l'arme Wonder Boost, donc l'arme spéciale de la map. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tuto, je le mettrai en description de cette chaîne, dans la description de la vidéo, si jamais vous ne savez pas comment faire. Alors quand vous avez le Wonder Bus, vous allez devoir avoir des grenades à fragments, enfin collantes ou à fragmentation si vous y arrivez, et vous allez devoir libérer ces plaques là, donc comme vous pouvez le voir ici au spawn. Donc vous lancez une grenade ici, et en fait ça libère tout simplement les fusibles. Donc vous voyez, c'est le spawn, il est ici. Voilà, et il faudra alimenter avec votre arme en appuyant sur R2. Donc voilà, jusqu'à temps qu'elle s'alimente. Voilà, là elle est alimentée. Ensuite, il faudra aller chercher la deuxième alimentation, donc les deuxièmes fusibles qui se trouvent juste ici, vers la sortie de la map principale, du centre de la map, tout simplement. Donc attendez, je vais tuer ce type là, hop, voilà. Et là, pareil, vous alimentez ça jusqu'à temps que ce soit alimenté, voilà. Le Burst Dragon débloqué, et il se trouvera juste ici, donc voilà. Après, vous pouvez améliorer vos armes pour 5000 points. Vous avez toujours le même camouflage que dans The Final Watch ou The Darkest Shore. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.